Comme vous le savez, le CIM Pyrénées-Méditerranée organise pour le compte de ses 25 communes membres la restauration collective. Au quotidien, dans tous les restaurants scolaires, il s'engage avec son prestataire, la société Elior, à servir aux enfants un maximum de produits frais et locaux ou issus de la région. Bien sûr, tout cela est possible grâce au partenariat avec des producteurs, comme l'association Les Jardins de Perpignan, la coopérative catalane des éleveurs, la coopérative laitière Simelet, l'association des Toques Blanches du Roussillon et beaucoup d'autres encore. D'ailleurs, pour finir de vous convaincre du bien fondé de sa démarche, le CIM a choisi de vous amener à travers notre beau département à la découverte de tous ces passionnés qui mettent en avant leur production et leur savoir-faire. Et pour que le voyage gustatif soit complet, un chef Toque Blanche du Roussillon est venu apporter, à chaque fois, sa touche personnelle avec une recette simple, goûteuse et facile à réaliser. Alors si vous êtes prêt à embarquer avec notre duo gourmand, attachez votre ceinture. Aujourd'hui, direction Fourques, dans la plaine du Roussillon. Bonjour. Ça va bien, oui, oui, ben, je suis au champ là. Je... Il n'y a pas Christine? Non, à la station et au stand, elle prépare ses commandes. Ah, ben, super, ben, écoute, ils sont magnifiques ces abricots cette année. Ben, c'est le rouge du Roussillon, déjà c'est un abricot qui colore bien, qui est bien adapté au terroir d'ici. D'accord. Donc il a beaucoup de pigmentation dessus, c'est génétique et puis c'est favorisé par l'hygrométrie, quand le matin c'est bien humide, avec un coup de soleil par-dessus, ça aide à bien le colorer. Ça le fait bronzer en fait. Voilà, ça le fait bronzer, oui. Qui est dessus, clac, le gars il prend le soleil, il est au soleil, il bronze tranquillement. Voilà, le problème c'est qu'il bronze souvent que d'un côté, plus que de l'autre, voilà. C'est... Il fallait faire un recto verso, il faudrait que tu retournes les arbres pour qu'il bronze de côté. Voilà, ouais. Magnifique, super. Voilà, là c'est vraiment le typique du rouge, Là, ça a bien, bien pigmenté. Ouais, cette année, ils sont jolis. Hein, Quand est-ce que tu commences à avoir le rouge? Le rouge, on le commence en principe vers le 20 juin. D'accord, ouais. Voilà, cette année, on a un peu d'avance. Quoi. Bon, chaque année, c'est autour du 20 juin. Donc, une année, c'est après, une année, c'est avant. Ça. Voilà, cette année, ils ont une belle charge quand même. Ah ouais, on le voit qu'ils sont bien chargés là. On a du calibre, il n'a pas fait de vent, il a bien plu. Le calibre est bien, ils n'ont pas souffert de la tramontane. On va pouvoir bien les cuisiner, on va faire de belles choses pour pouvoir bien les mettre en valeur parce qu'ils sont déjà très 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 beaux, on n'a pas grand chose à faire. Je pense qu'ils ont un bon taux de sucre. Voilà. Bon, mais écoute, je vais aller voir Christine, tu dis qu'elle est au... Elle est au stand de vente, si vous voulez la voir, vous pouvez y aller. Merci Fabrice. Merci Allez, à vous. Bonne journée, à bientôt, ciao. Au revoir. Oui. Ah, salut Franck. Ça va bien? Bonjour, oui. Ça y est, ils sont arrivés? Oui, alors, c'est les premiers Rouge du Roussillon, hein, en appellation, en AOP. Super, donc, t'as appelé. On voit que c'est les vrais. Ils sont bien, les petites taches là. Ah oui, alors cette année, au niveau des taches, il y en a. Il y a des années super. Où il y en a un petit peu moins, mais cette année, c'est vrai que c'est une caractéristique du Rouge du Roussillon. Hein, qu'on a une jolie production, on est content. Donc, notre entreprise agricole est située à Fourques. Sur la RD23, entre Trouillaz et Fourques. L'exploitation en tout compte une cinquantaine d'hectares, dont 35 en vigne, en cave coopérative à Terrazze et à Passa. Ensuite, on a de la cerise, de l'huile d'olive, de l'asperge et de la prune. Ça nous occupe pas mal, toute l'année. Alors, depuis cette année, on est en certification haute valeur environnementale, qui est un gage donc, de qualité environnementale. Hein. On fait de gros efforts pour, au niveau environnemental, être le plus respectueux possible de la nature.
Voilà, donc on a eu décerné par le ministère d'Agriculture ce label avec lequel on communique maintenant sur tous nos produits. Depuis déjà 2016, on a l'abricot rouge du Roussillon qui est en AOP. Et donc nous faisons partie des stations de conditionnement et des producteurs qui pouvons valoriser et emballer cet abricot. On a un fruit de très très belle qualité. Cet abricot, c'est quand même l'abricot caractéristique du Roussillon. Hein. Un arôme particulier qui est reconnaissable. Et un fruit qui n'est pas très juteux, hein, mais contrairement maintenant à des nouvelles variétés qui peuvent sortir, mais qui garde quand même cette particularité aromatique qui est reconnaissable entre mille. On travaille avec les cantines par le biais de Jardins de Perpignan. Au niveau qualité gustative et puis vitamines, etc., on est à l'optimum, quoi. Il n'a pas un passage en frigo de 7 ou 8 jours. Voilà, donc il y a un intérêt à ce niveau-là de travailler localement pour les produits des cantines. Voilà. Je vois qu'ils sont mûrs comme il faut à point, on va pouvoir les cuisiner comme il faut. Hein. Franchement, ça va être superbe. Tu vois, ça, je le vois bien avec du foie gras poêlé, juste comme il est là, juste déglacé, même salé là, décuit un petit peu avec ton huile d'olive, qui est superbe là, l'olivière. Ah, tu l'as goûté, ça y est. Ah ouais, super, magnifique là. Bon. On va même faire un dessert avec la tatine qu'on va faire, on va faire le foie gras poêlé avec l'abricot. La typicité de l'abricot, le rouge roussillon, on a quand même cette attaque vive en bouche, un peu d'acidité, avec l'équilibre du sucre, si on a ça. L'huile d'olive, j'ai même mis un petit peu de fruit de la passion avec, le lien va se faire magnifique. Waouh, ça sera superbe. La tatine, ça va être génial. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais. On a cette attaque vive de l'acidité qui n'est pas du tout agressive, qui égaye la bouche, et le sucré vient arrondir tout ça. Ça va être superbe. Génial. Mais écoute, on n'a plus qu'à aller cuisiner. Bon, on est sur une belle année alors. Ça va être un mieux superbe. On n'a plus qu'à y aller. Allez, on va cuisiner. Allez, on y va. Je te suis.